Non, avant de faire la pause publicitaire, j'ai dit, est-ce que Carmen est convoquée? Parce que ça a 2000 partages que je vais commencer à déconstruire Carmen. Est-ce que les partages sont en train d'être faits? Vous vous souvenez que je vous ai dit que moi, Lolo Beauté, je suis la Daichi Khan des réseaux sociaux. Je sais comment amener les animaux blogueurs à parler de moi. Et j'ai atteint un objectif. J'ai dit, sur Facebook là, je vais vous manipuler. Je vais danser votre cervelle. Vous allez faire ma publicité gratuite. Parce que je dois avoir 10 millions de semaines avant que je ne rentre à Paris. Tranquille. Je suis venu hier au premier direct. Ah! Les doigts étaient tatoués. Et les doigts de l'autre côté là, j'ai fait exprès de laisser un produit sur mes doigts. Parce que je savais que mes animaux, ils allaient sortir pour parler. Et je vous ai tendu un piège. Parce que j'avais envie de montrer un nouveau produit. Et vous allez parler pour dire, regardez les doigts de l'Olo Beauté. Les doigts de l'Olo Beauté sont noirs. C'est rempli de quinto. Donc je savais que mon prochain direct, les gens allaient venir voir le teint de l'Olo Beauté. Mettez l'Olo Beauté stratège. Ah, maman. L'affaire est grave. À cause de vous, je vais atteindre 10 000 personnes connectées. Je suis forte. Je sors dans mon peignoir. Je mets mes produits anti-quinto qui noircissent les quinto. Et puis je fais exprès, je porte un peignoir blanc. Regardez comment je suis plus intelligente que vous. Je vous amène là où j'ai envie que vous soyez. Parce que je sais que maman a dent pourrie. Comme elle, elle, c'est une éternelle frustrée. Qui cherche l'autre beauté, mais qui ne peut pas avoir l'autre beauté. Pourquoi? Parce que tu es mon esclave. Tu es ma caniche. Mais une caniche qui n'a pas de dents. Je sais que j'ai fait exprès. J'ai passé devant la caméra. J'ai fait ça. Ils m'ont fait capture des doigts de l'autre beauté. En ce moment donné, vous allez faire ma publicité. Tranquillement, tranquille. Je vous montre. Pause publicitaire. Je suis vendeuse de tchat. Donc, laissez mon. Regardez la position. Regardez. N'ayez pas peur. Il y a Silip en bas, regardez. Je ne sens pas les gens de femmes de films Nollywood. Regardez, prenez-moi pour être actrice. Parce que le poteau est sorti. Mais le ventre n'est pas encore parti. Je suis en train de travailler dessus. Voilà, regardez le thé. Maman, c'est une femme quand tu as fait clash. Regarde, je suis armée. Regarde, on m'appelle Lucu Luc. Je suis armée. Quel démarche, quoi. Je suis armée. Le pain là, c'est pour le temps que vous partagez. Il y a allumé Kamel Sama. Elle pensait qu'on allait au conseil de Sylvie qui est vraiment me marmailler. Genre, elle va rire moi. Elle va causer moi. Et puis, elle va mettre son secret dehors. Il a dit, Carmen, moi, je n'ai pas d'amis. Je suis la plus hypocrite et la plus stratège des réseaux sociaux. J'ai été démolie ce matin, Carmen. Il n'y a pas femme pour moi sur les réseaux sociaux là. Tu vas aller ailleurs, personne ne peut me démolir. On m'appelle Jack Bauer, alias Luculu. Pouf! 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 Je suis armée. Ma gueule est armée. Mes cheveux, il y a mis rouge. Ça, c'est une bombe massive. Ça, on appelle ça le poison. Quand il passe mes cheveux à côté de toi, là, je t'étouffe. Tu es empoisonné. Maintenant, quand il vient maintenant, les seins maintenant, quand il fait bim, quand tu regardes mes seins, tu es distrait. Et puis là, maintenant, il te fouille les poches. Je suis armée, mes amis. Je suis armée. Non, j'ai jack. Hé, allez, la maman a dents pourries comme ça. Tu cherches défaut. Ma chérie, réveille-toi. Tu resteras ma caniche à vie. Toi, avec tous tes trimbalos, vous resterez mes caniches. Je suis la seule blogueuse sans clash qui peut faire 9000 personnes qui la suivent en direct. Parce que mon volume, il est fort. 9000 potentiels clients. Mon volume, il est fort. Parce que je suis intelligente. Et je suis belle. Sans chirurgie, je jack. Hé, regarde. Sans chirurgie, je jack. Sans chirurgie, je jack. Sans mettre cheveux mèches, je jack. Hé, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Je suis Luculuc. Allez, les frères Dalton, de les voisins d'à côté, restez tranquilles, les frères Dalton. Parce qu'on monte, on descend. Je vous mets toujours derrière les barreaux.
émission live. Vous savez, ce savon que j'ai fait sortir est un savon miraculé. Oui. Ce savon-là, on l'utilise pour tout le corps. Mais je ne le vends pas seul. Je le vends avec une gamme. C'est un gommant et un produit blanchissant. Donc, ces deux temps-là, j'ai découvert que en le mettant les matins après le bain sur les quintaux, au début, quand tu mets là, quand tu mets le savon, regardez comment il faut le mettre, tu mets bien le savon, ça va noircir tes quintaux. On a l'impression que tes quintaux sont noirs, démonstration de puissance et de déconstruction. Et les frères Dalton, bien sûr, votre Dieu. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, un don qui donne envie de te laper, contacte au Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Je suis forte. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79, il faut commencer à partager le direct. J'ai fait la démonstration des quintaux tout à l'heure. Je veux voir les 2000 partages. Je me pose. Je vous montrer qui est Zeus des produits cosmétiques. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore comment. Atteignons les 10 000 connectés. Tranquille, je regarde le nombre de partages. Je dis quand il m'abaisse comme ça, je sais qu'il y a d'autres qui mettent loupe. Vous avez apprécié ma danse. Je regarde le nombre de partages, puisque le perroquet ne me fait pas le signe. Je regarde le nombre de partages. Je dis partager. Partager, 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 zou, partager, 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 je vois le nombre de partages. Ha, 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 ha. Ouh, loulou. Ah, Lolo Beauté. Ah, Sagon. Depuis que tu es riche, tu pèses lourd. Qui a regardé ce film de Sagon? Partagez-moi le direct, on n'a pas encore atteint 3000 partages. Sagon, depuis que tu es riche, tu pèses lourd. Partagez, partagez, partagez. Il y a eu qu'il chante pour vous. Il chante, il chante, il chante. Partagez, partagez, partagez. Il y a du mettre en commentaire, partagez. Partagez, 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 partagez. Hé! Depuis que vous êtes sur la toile, il y a un blogueur qui est une femme rappée comme moi. Hé! Tu ne veux pas suivre Lolo Beauté, tu dégages. Tu ne veux pas suivre Lolo Beauté, tu dégages. Alors, Lolo Beauté, c'est la stratégie. Tu ne veux pas suivre Lolo Beauté, alors tu dégages. Tu enlèves tes testicules de sa page. Ma chérie, toi tu es noir, tu es noir, tu es noir. Arrête de parler de Lolo Beauté parce que, ah ma chérie. Et déjà, c'est conseil. Hey, comment bana? C'est parce qu'on vous regarde, vous pensez qu'on est camarades. Je suis votre Zeus. Hey, je suis la Zeus. Tranquille, je suis la Zeus. Voilà, voilà. Je suis la Zeus. Donc, je disais. Il paraît qu'on a vu Plaisir Emma, c'est la drogue que ta mère me vend. Mais ce n'est pas de la bonne qualité, Emma. Je préfère aller payer chez le voisin parce que la drogue que ta... Au fait, il dit, vous les femmes, là, je vous connais, je vous moins. Il n'y a pas femme qui arrive à la cheville de la pointure du talon de Lolo Beauté. Je vous connais. Je sais où frapper. Et puis j'ai fermé votre gueule. Je sais où frapper. Et puis vous allez parler de moi. Yeah, je suis l'une des plus belles images de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. La Lolo Guénon d'avant n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de la ravissante, la belle, la star, Lolo Beauté. Maman a deux avions. Toujours confirmé et conjugué au présent. Vous voyez ce savon-là, je le vends en compagnie d'une gamme. Ah oui, en compagnie d'une gamme. Voilà. Nous, la famille Makosola, même si dit qu'il t'a battu à confirmer,
on a quelque chose que les autres n'ont pas. Tranquille. Si je n'existais pas, il a dit, le ventre de ma maman allait s'exploser. Vous voyez, il devait sortir. Ce savon-là, on l'utilise une fois pour se gommer la peau. Ça enlève tout ce qui est peau morte. J'ai réfléchi comme je suis. J'ai un diplôme en cosmétologie. Il a dit, mais les ingrédients qu'on a utilisés pour fabriquer ce savon-là, on peut l'utiliser aussi sur les mains. Alors, le matin, les dragueurs sont en tas sur moi. Et Abidjan, deux jours là, les dragueurs sont en tas. Depuis que j'ai montré ma maison, ils savent que je suis célibataire. J'ai une maison bien meublée. Je suis seule, il n'y a pas d'enfant là. Les dragueurs, les jeunes me draguaient comme ça. Et je prends plus pauvre, je prends riche. Donc, NB, on peut draguer Lolo Beauté, mais il faut avoir au-dessus de Lolo Beauté. Ben, Lolo Beauté est fatigué de pauvres lots. Il me donne la migraine. Je veux maintenant les riches. J'ai dit à mon blanc en Europe, tranquille, on va prendre un noireau qui va laver, c'est-à-dire les nettoyer d'araignée. Ils vont nettoyer l'araignée. Ce savon-là, tu l'utilises le matin. Quand tu finis de prendre ton bain, tu l'utilises, tu mets ça. Vous voyez comment ça... dans mon direct. Vous prenez ça, vous mettez sur les doigts. Regardez comment ça voici un peu. Quand ça sèche là, ça devient noir. Vous mettez sur chaque quinto. Quand vous mettez sur les quinto, vous laissez reposer. Quand c'est bien reposé, que ça devient bien noir, là, en ce moment donné là, vous prenez votre paume et puis vous frottez là-dessus. Vous allez voir la peau morte qui va sortir. Quand ça devient sec là, ça fait peur, hein? Ça devient noir comme si tu allais quinto. Mais une fois que tu frottes là, tu vois les peaux noires là, ça descend comme cela. Ça descend comme cela. Et ton teint, tes quinto deviennent de plus en plus clair. Hé, fais capture d'écran. Hé, capture d'écran. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Alors, convoquez-moi Carmen Sama. Parce que ces deux temps-là, depuis la soirée de Sidiki Diabaté, on a vu Carmen aller sur le plateau et puis a commencé à travailler. Eh, maman Carmen, tu as beaucoup d'argent. Ah, Carmen, depuis qu'Arafat est décédé, Carmen...